Député Oliver Richard, membre PEP, annonce tout bloc parlementaire sa mobilisé pour répondre présent dans l'ouverture session extraordinaire parlement en journée vendredi à l'objectif pour voter loi électorale là. Représentant circonscription Rocha Bato a souligné nécessité pour toute partie politique yo ta participer dans consultation yo pendant député a travaillé sur texte là, yon façon pour les fin voter, pas gain la navette qu'a fait encore entre chambre député à Sénat. Oliver Richard parlait tout de possibilité pour ta voter projet loi électorale là, Jean sorti dans Sénat pour accélérer processus électoral là parce qu'il constatait président Michel Martelly pas gain volonté pour organiser élection dans pays. Député Oliver Richard, Namiko Vilner Joseph et Colin Hildorest. Pendant ce temps, il y a une loi électorale. Vous pensez que c'est la loi électorale qui peut définir les modalités. Et comme président lui-même, il juge enfin nécessaire pour convoquer la Chambre des députés à l'extraordinaire, à ce moment-là, je souhaite que la Chambre des députés à nouveau dans le même thème, modification que le Sénat a apporté. À ce moment-là, pour éviter la navette. Sinon, si il y a une navette, encore, il y a une autre. Comme au niveau du Sénat, il n'y a pas grand-chose. Je tape tout dans le Sénat, mais c'est ça qui va permettre que vraiment nous avons un outil légal avec votre loi électorale là et ça capable de déboucher sur l'élection vraiment. Est-ce que le conseil électoral a décidé de camper sur le calendrier électoral qui t'a exécuté à ça, t'a dit yo retourner à zéro net dans la mesure où nous connaissons déjà invité parti politique qui a inscrit côté de plus que 30 partis qui t'a inscrit. Est-ce que yo pas le faire suivi tout simplement après la Chambre des députés a fait voter le projet de loi électorale? Ça va dépendre des partis politiques. Est-ce que vous acceptez ça qui est fait pour continuer sur ça qui est déjà ou bien c'est pour repartir à zéro? Donc, je souhaite que ça, c'est le parti politique dans la réunion avec CTCP, membre CTCP, qui pour définir est-ce qu'il y a d'accord pour des démarches qui ont commencé à faire pour continuer ou bien c'est retourner pour retourner à zéro. Je souhaite que vous retourniez à zéro pour de sorte que pour nous, travail à table, tout le monde a accepté ça qui fait là. De combien de gens participent à la séance de l'Assemblée nationale? Oui, moi disposé déjà parce que moi-même, c'est ça mon attente, parce que je souhaite que l'élection soit faite, de bonnes élections faites, parce que nous connaissons chaque fois qu'il y a une élection faite qui n'est pas bien faite dans le pays, ça a débouché sur crise. Nous avons pour une élection faite dans de bonnes conditions qui peut éviter le pays de crise de chaos. Mais parallèlement, nous faisons partie d'un groupe politique. Est-ce que nous discutons de questions dans le groupe politique de parti et qui positionne par rapport à la convocation de l'élection? Eh bien, nous-mêmes, au niveau PEP, nous avons déjà c'est ça nous attendre. Et je ne crois pas que même PEP qui est là, c'est très difficile. Je ne connais pas tout le monde, tout le monde PEP là, c'est ça nous attend pour nous participer dans la convocation à l'Assemblée nationale. Mais il y a un retard qui peut dire qu'il y a des critiques qui font, qui critiquent le président le fait que la convocation en fait un retard pour le temps pour faire convocation, ça fait élection parce qu'il y a fait un temps qui est le royaume. Mais quand c'est un retard, nous prenons le président lui-même toujours, parce qu'il y a été à l'élection, il est toujours agi avec lenteur. Parce que nous connaissons quantité de temps pour avant le projet de loi électorale a été fait en même avant de voter dans le Parlement. Encore qu'on a quoi que le connaît, loi électorale a voté, il n'a pas voté dans le même thème au Sénat de la République, encore prend une éternité encore pour lui retourner, pour convoquer la Chambre des députés à l'extraordinaire, quoi qu'elle connaît nous en vacances. Donc c'est en matière électorale, le président est toujours lent. Son retardateur patenté. Bon, en fait, comme on dit, son retardateur patenté lié. Parce que lui n'est pas tellement intéressé à la question de l'élection, ça a montré tout le monde clair qu'il n'est effectivement pas intéressé à l'élection.